Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler, eh bien, tout simplement de Bolvar. C'est la vidéo connexe à celle tout simplement la vidéo annexe tout simplement de la vidéo sur Wrath of Lich King. Donc il faut avoir vu la vidéo sur Wrath of Lich King, c'est vital pour comprendre cette vidéo. Puisqu'on va à la fois, en fait, on va faire une pierre trois coups avec cette vidéo. On va tout simplement débunker des idées reçues qu'il y a sur ce personnage. On va également reparler un petit peu en mettant un peu plus de détails sur la fin de Wrath of the Lich King, en voyant les cinématiques notamment liées à Bolvar, et justement parler de l'histoire de Bolvar. Alors si j'avais dû faire une vidéo sur l'histoire de Bolvar, elle serait pas très longue. Du coup, il a fallu intégrer d'autres éléments, donc le débunkage, et également tout simplement la fin de Wrath of the Lich King, où je sais que j'avais dans ma vidéo sur Wrath of the Lich King, la fin, j'ai été assez vite parce que j'avais prévu justement d'en parler dans cette vidéo. Donc, on va pouvoir commencer avec tout simplement quand est-ce que Bolvar a été créé. Alors, Bolvar, c'est un personnage qui a été créé à World of Warcraft Vanilla, mais le bougre, il n'a pas, donc il n'apparaît pas à Warcraft 3, il n'apparaît pas à Warcraft 2, il n'apparaît pas avant, mais le bougre, en fait, on sait rien de lui. Ce personnage n'a pas de famille, d'histoire ou quoi que ce soit, et du coup, on sait juste qu'il s'appelle Fort Dragon, et il y a un autre personnage qui s'appelle Fort Dragon, c'est tout simplement Mara Fort Dragon, qui était une des statues à l'époque. Si vous jouez à WoW Classic, vous pouvez la retrouver en créant un personnage sur WoW Classic très rapidement, vous pouvez vous balader au niveau du palais royal d'Hurlevent, donc de Stormwind, et vous allez voir donc qu'il y a une salle de statues, et dedans il y a Dailin Prodmore, Dailin Port-Vaillon, le père de Jaina et les grands héros de l'Alliance, ainsi que Mara Fort Dragon, sauf qu'on ne sait toujours pas à l'heure actuelle si c'était la mère de Bolvar, la sœur de Bolvar, la femme de Bolvar. On n'en sait rien, donc Mara, voilà, c'est le seul personnage qui semble être un fort dragon, tout comme Bolvar. On sait juste que Mara a sauvé, on va dire, les exilés d'Azeroth vers Lordaeron entre la première et la deuxième guerre. C'est tout ce qu'on sait. Donc, à côté de ça, Bolvar est une création de World of Warcraft Vanilla. Alors, petit rappel, donc World of Warcraft, c'est 2004, et au final, World of Warcraft, en fait, la nation, puisque Lordaeron a été détruite à Warcraft 3, les survivants, la plupart, se sont exilés à Terramor avec Jaina. Donc l'alliance que l'on connaît de Warcraft 3, c'est pas celle de WoW. Hein, je sais, souvent on se dit, si c'est la même. Non, c'est pas la même. Vous avez l'alliance de Lordaeron qui est à Terramor, et vous avez l'alliance de World of Warcraft qui est l'alliance d'Azeroth, en fait, l'alliance de Stormwind, l'alliance d'Hurlevent. Et le problème, c'est qu'en fait, Hurlevent, on n'en a pas entendu parler depuis Warcraft 2, et du coup, il a fallu créer des personnages. Sauf que le problème, c'est quoi? Tous les héros, en fait, azérothiens sont morts ou ont été... Enfin, il n'y a plus personne, en fait. Lothar était le grand chef. Le roi Lane est mort, donc on sait qu'il reste Varian. Varian était déjà évoqué à Warcraft 3 dans le manuel, mais le truc, c'est que tout le plot twist, c'est que justement, Varian est absent au début de Vanilla. Je vais aller voir l'histoire de Wovania et l'histoire de Varian pour plus de détails. L'histoire de Varian sera aussi importante pour comprendre plus de choses, je dirais. Mais en gros, vous avez personne. Vous avez absolument personne. Et donc il y a un besoin, comme vous allez être dans un MMORPG, vous allez rencontrer tous les personnages existants. Donc que ce soit le simple random, enfin que ce soit le simple fantassin que vous allez croiser, l'aubergiste. Du coup, faut créer des personnages. Il y a vraiment un besoin de créer plein de personnages fonctions. Et donc, on a le roi Anduin Rhin, qui est un hommage à Lothar, Anduin Lothar, je le rappelle. Et du coup, le fils, donc le petit-fils de Lane et le fils de Varian, qui est en situation de régence, et il y a cette création avec le remplaçant poste pour poste de Lothar, à savoir le chef des armées du royaume d'Azeroth, du royaume d'Hurlevent. Et le truc, c'est qu'en fait, justement, et c'est pour ça d'ailleurs que cette image est tirée du RPG de World of Warcraft, donc à savoir, on le voit d'ailleurs avec un bouclier et un tabard de Lordaeron, mais ça c'est une... Alors c'est une erreur ou pas, dans le RPG il y a des choses, ça sera l'objet d'une autre vidéo théorie avec Taelia, etc. Mais justement, bon, ne passez pas, pensez pas au bouclier, on en reparlera dans une autre vidéo, mais en l'occurrence, donc, il remplace Lothar, et c'est d'ailleurs pour ça que dans cette vidéo on le voit chauve avec une grande barbe blanche, etc. Parce que c'est vraiment le côté Lothar, c'est vraiment le Lothar, le héros de l'Alliance, sauf que Lothar est mort, donc on peut pas le ramener, donc c'est Bolvar qui occupe ce rôle. Le truc, c'est que Bolvar, comme on l'a dit, n'a pas d'histoire, rien du tout. Et ensuite, on a à côté, donc Anduin, encore une fois, en plus le côté Lothar, vous avez la personne Lothar, et le mec qui s'appelle Anduin Lothar, le prénom Anduin, c'est le petit roi. Et au milieu, vous avez bien sûr Qatrana Prestor, aka
Onyxia, donc le dragon noir, et ça c'est un gros hommage au Jour du Dragon, un livre qui est paru entre Warcraft 2 et Warcraft 3, juste pour préparer Warcraft 3, qui était excellent, hein. Je vous conseille de le prendre si vous pouvez le trouver en occasion, pas trop cher, parce qu'il est génial, et la différence c'est qu'elle remplace poste pour poste Papa, hein, puisque c'était Deathwing d'Aval Prestor, et lui il essayait pas de saboter, court-circuiter juste un royaume, il essayait de court-circuiter toute l'alliance. Donc, toute l'alliance de l'Ordéron. Donc, Katrana va remplacer, mais à plus petite échelle, au niveau du royaume d'Azeroth, qui est en pleine reconstruction hein, depuis qu'il a été détruit pendant la première guerre. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est que, en fait, on voit que Bolvar, c'est un personnage fonction. Donc, personnage fonction, il y a aussi une vidéo annexe là-dessus. C'est la vidéo sur Marcus Jonathan. On en reparlera d'ailleurs un petit peu de Marcus Jonathan. Mais c'est ça, c'est un personnage fonction. Bolvar a été créé pour être voilà, l'un des le chef militaire et c'est tout. On s'en fout. On n'a pas d'histoire, rien du tout. Sachant qu'en plus, cette fonction est un petit peu divisé comme on va le voir dans la vidéo. Le problème de Bolvar, c'est que contrairement par exemple à son alter ego, je dirais, qui est Sorfang, Varrok, hein, papa, bah en fait le problème c'est que Bolvar, son personnage fonction est déjà également un petit peu divisé avec d'autres personnages. Marcus Jonathan, hein, qui est aussi un des grands généraux du royaume d'Azeroth. On a un personnage dont j'ai oublié le nom, qui est le représentant PVP de l'Alliance. Et on a également le maréchal Windsor, que l'on retrouvera par la suite. Donc c'est pour ça que Bolvar, bah, il n'a pas grand-chose pour lui pour commencer. Et au final, donc, il fait quand même partie du gouvernement du royaume d'Azeroth. Et donc il est à on va dire, une des plus hautes fonctions de l'État. Mais malgré son poste, eh bien, il va avoir des petits problèmes, Bolvar. À savoir que Katrana Prestor, donc hein, Onyxia, dragon noir qui est sous forme humaine, eh bien, va de plus en plus prendre, va devenir en fait tout simplement la représentante de la maison des nobles, donc en gros la représentante de la noblesse de Stormwind, des émigrés aussi qui sont partis vers le sud et se réfugier au royaume d'Azeroth, donc soit des lords erronés, des Alteraki, etc. Et parce que Prestor, on en reparlera dans la vidéo du jour dragon, c'est des Alteraki, donc la famille noble d'Alterac. Et au final, eh bien, il va rester de glace devant la montée au pouvoir d'Onyxia. Onyxia va prendre de plus en plus de pouvoir et va commencer à tirer les ficelles en coulisses et va commencer à ombrager, je dirais, l'assise politique, que ce soit de Bolvar, mais également l'assise politique de la maison Rhaen, Varian et Anduin également. Donc le problème, c'est qu'en fait, Katrana Prestor va contrôler totalement en fait, la maison des nobles et tout le pouvoir du royaume d'Azeroth. Et ça, c'est le gros problème. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, personne ne va s'opposer à Katrana Prestor. En tout cas, au début et même quasiment jusqu'à la fin, personne ne va s'opposer à son pouvoir. Alors, Varian va être ensorcelé. Je vous laisse aller voir la vidéo sur Varian et du coup, va être mis de côté. Le problème, c'est que également dans la montée de pouvoir, en fait, ce que veut Katrana Prestor, c'est quoi? C'est affaiblir le royaume d'Azeroth. Créer des révoltes, créer des troubles, tout simplement affaiblir hein, la nation. Et en faisant ça, eh bien, il va y avoir énormément de grogne populaire. Donc encore une fois, la vidéo sur Varian. Vous avez tout simplement donc l'inaction, par exemple, de la noblesse et tout simplement du gouvernement politique qui va fragiliser le royaume. Et ça se traduit, donc, comme je l'ai dit, par des révoltes et des troubles de l'ordre public, notamment. Eh bien, la guilde des maçons, qui est responsable de la reconstruction du royaume d'Azeroth, enfin de la citadelle de Stormwind, mais également les autres villes, mais la citadelle de Stormwind, c'est la guilde des maçons qui l'a refaite, et ils n'ont pas été payés en fait. Hein. Donc ils demandent, parce qu'ils sont quand même énormément taffés, ils veulent. Alors, certains Edwin Van Cleef, qui était le patron de la guilde des maçons, ils demandent voilà, tout travail mérite salaire, mais ils ont très bien travaillé, donc ils veulent un gros salaire, et au final. Eh bien, Katrana Prestor va dire que non, les nobles n'ont pas à payer pour ça, en tout cas pas aussi cher, et il va commencer à y avoir des émeutes. Et lors d'une de ces émeutes, eh bien, tout simplement, la reine, carrément, hein, la reine Tiffin Rhaen, donc la femme de Varian, va être gravement touchée à la tête, ce qui va eh bien, la tuer, en fait, hein, tout simplement, d'un jet de pierre qui va tuer Tiffin Rhaen, alors qu'Anduin est encore un bébé. Donc ça, c'est quand même le pinacle, on va dire, des troubles à l'ordre public. Et au final, Bolvar reste totalement inactif devant ces troupes, devant cette prise de pouvoir. Il pourrait essayer d'envoyer l'armée pour court-circuiter ce genre d'émeute. Ça ne marche pas. Et du coup, eh bien, ces émeutiers vont devenir tout simplement ce qu'on appelle les défias, c'est-à-dire les anciens maçons qui se sont rebellés, qui deviennent des bandits et qui vont harceler un petit peu les grandes lignes de ravitaillement du royaume d'Azeroth.
et seront l'une des grandes épines dans le pied de la nation pendant un bon bout de temps. Et Bolvar, eh bien, par exemple, n'enverra pas l'armée pour les gérer. Il va y avoir des milices qui vont se former, des aventuriers vont être appelés pour gérer ça, et l'armée d'Azeroth, dont Bolvar, je rappelle, est le patron, il n'y aura aucune suite. Donc, à cause de l'inaction, on a quand même le roi légitime qui va être mis de côté, on a également la reine qui meurt, et c'est que le début de la liste. C'est que le début de la liste. Nous avons donc, avec la disparition encore une fois de Varian, comme je vous l'ai dit, la vidéo sur Varian, on a là une régence qui est prévue, puisque Anduin donc, eh bien, commence son règne en tant que roi, et le règne d'Anduin, eh bien, comme il est encore gamin, il est encore petit, eh bien, il va y avoir une régence de fait, et le régent, c'est tout simplement Bolvar Fordragon. Le truc, c'est que bien sûr, il y a un conseil de régence, il n'est pas tout seul à régner, et dans le conseil de régence, on a notamment beaucoup de nobles, dont, bien sûr, Catrana Prestor, la chef des nobles. Catrana Prestor, comme on le voit avec cette magnifique image, a un certain contrôle de la régence, puisque Bolvar étant le patron, eh bien Catrana va réussir à le manipuler, le contrôler sous tous les angles, sous tous les aspects. C'est-à-dire que nous avons déjà un charme qui est latent pour Catrana Prestor. Bolvar est sous un charme à la fois physique, hein, on peut l'imaginer, pardon, pas celle-là, on peut l'imaginer plus comme ça, on va dire, le petit Bolvar. Disons qu'elle a un certain charme, Onyxia. Mais ça va être un charme physique, mais également un charme magique, bien entendu, puisque Onyxia étant un dragon, elle a des capacités magiques, et elle va notamment utiliser un collier un collier de rubis qui va faire en sorte de contrôler magiquement une partie de Bolvar. Mais malgré tout, même sans ce collier, on voit que Bolvar va être très impuissant et j'ai envie de dire incompétent vis-à-vis des agissements d'Onyxia, hein, de Catrana Prestor. Par exemple, il va valider des décisions prises par Onyxia, enfin Catrana Prestor, concernant les agissements des Défias, par exemple, donc pas d'envoi d'armée contre les Défias. On sait qu'il y a également un rassemblement de la Horde Noire, donc les orcs du Mont Blackrock, donc du Mont Roche Noir, qui commence à attaquer les Carmines, donc les Redbridge Mountains. Et on a, eh bien, à ce moment-là, donc une recrudescence des agressions des orques de la Horde Noire, plus de l'ingérence de quelques dragons noirs qui attaquent. On devrait envoyer l'armée. Au final, eh bien, Bolvar dit qu'on n'a pas assez de preuves tangibles pour pouvoir intervenir, et qu'au final, pour le moment, ce serait peut-être que des légendes, des affabulations de la population. Pas besoin d'envoyer l'armée pour attaquer ces orques. Donc, encore une fois, dans les Carmines, il va falloir faire appel à une milice locale pour pouvoir repousser ces agressions. Et partout, dans tout le royaume d'Azeroth, que vous soyez en Westfall, que vous soyez dans les Carmines et autres, il y a des insurrections, des troubles qui vont gangréner la nation. Et à ce moment-là, l'armée n'intervient quasiment jamais, sauf sinon quand c'est des soldats qui, de leur propre chef, ont décidé d'intervenir. Et ça, c'est un gros problème, parce que petit à petit, il commence à y avoir une méfiance à l'égard du pouvoir de la couronne. Et notamment, Bolvar, on commence à ne pas croire en lui. Et il va y avoir tout simplement le maréchal Windsor, donc un des grands généraux aussi de l'armée d'Azeroth, de l'armée de Lordaeron, l'armée d'Azeroth, donc l'armée d'Hurlevent tout simplement, qui va de plus en plus se rendre compte qu'il y a un danger, qu'il y a un véritable problème, et que la couronne est gangrénée par des troubles politiques. Et il se rend compte de plus en plus qu'en fait, ce serait Onyxia qui court-circuite un petit peu l'aide également à l'Alliance, hein. Par exemple, les nains ont aussi leurs problèmes, ils demandent de l'aide du royaume d'Azeroth, donc de Stormwind. Stormwind ne fait rien, donc il commence à se dire qu'il y a vraiment un problème, et il a l'impression que c'est Onyxia qui serait celle qui tire les ficelles en coulisses. Donc le truc, c'est que Windsor va complètement douter justement de Bolvar et ne lui fait pas confiance lorsqu'il a des preuves justement, lorsqu'il découvre que Onyxia effectivement est un dragon noir et a trahi tout simplement la couronne. Eh bien, il va même pas en parler à Bolvar parce qu'il n'a absolument aucune confiance en lui. C'est dans le jeu, c'est également dans le comics sur Varian, donc les deux éléments se concordent pour dire que Bolvar, des fois Onyxia court-circuite ses propres ordres, il fait rien, ça le dérange pas. Au final, Onyxia lui dit hey, on envoie un contingent. Onyxia elle arrive, elle fait non, on envoie pas de contingent, le contingent il est là pour protéger la ville, c'est au cas où il y a des émeutes. Bolvar il fait ok. Et voilà, c'est tout. Alors bien sûr, il y a un peu de charme magique, il n'y a pas que non plus que le charme magique, hein. Il y a parfois juste de l'incompétence, et on verra que même sans l'influence d'Onyxia, il y a des décisions stratégiques qui peuvent parfois être pas terribles de la part de Bolvar. Mais
En fait, bah là, le grand héros de cette histoire, c'est le maréchal Windsor qui va tout simplement être libéré. Donc, il va être capturé par Nefarian, le frère de Nyxia, et il va être tout simplement capturé. Il va être libéré finalement par Varian et ses complices. Et finalement, eh bien, Windsor va justement rapporter les preuves et revenir à Stormwind, donc à Hurlevent, avec les preuves comme quoi Onyxia est une traîtresse. Et au départ, il y a Marcus Jonathan, le général de la porte, le grand gardien, qui lui dit: bah non, moi, nous on a des ordres, apparemment tu as trahi la couronne, tout ça, tout ça. Et Windsor lui dit: mais Marcus, voyons, général Jonathan, je suis le maréchal Windsor, croyez-moi! Et Onyxia donne les ordres à Marcus Jonathan d'arrêter Windsor et les traîtres à la couronne. Marcus Jonathan va défier Onyxia en disant: je connais le maréchal Windsor, jamais il ne pourrait être un traître, je ne peux pas obéir à vos ordres. Et du coup, il ne va rien faire, il va laisser maréchal Windsor passer alors qu'il a pour ordre de l'arrêter. Bolvar, à la salle du trône, est toujours du côté d'Onyxia jusqu'à ce que Windsor et Varian pousse Onyxia à agir et prendre sa vraie forme. Et c'est là que le charme va être rompu et que finalement, eh bien, Bolvar va se rendre compte que oui, Onyxia est un dragon. Et c'est à ce moment-là, enfin à ce moment-là, eh bien, il va repousser, il va attaquer justement Onyxia. Donc c'est cette fameuse quête, la grande mascarade, où finalement, eh bien, on va le voir trucider du garde draconique, hein, les gardes qu'avait envoyé Onyxia pour la protéger, et donc avec Windsor et autres. Windsor va être cramé d'ailleurs à ce moment-là par Onyxia, et Onyxia va s'en aller. Mais avant de s'en aller, Windsor et Varian confient une mission à Bolvar. Une mission: protège Anduin de ta vie s'il le faut, mais protège le prince Anduin. Pendant ce temps, nous, on s'occupe d'Onyxia. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme vous le voyez sur cette image, échec critique. Il avait une mission militaire, pas politique, où il n'est pas forcément très doué. Militaire, tu protèges Anduin. Eh bien, même à ça, il va échouer, puisqu'Onyxia va s'emparer. Alors vous allez me dire: ouais, mais Onyxia, Malga, comprend, ce n'est qu'un humain, Bolvar. Alors que Onyxia est un dragon noir, et même l'une des préférées de Deathwing, d'Eldemort, le grand dragon noir. Il pouvait rien faire contre ça, mais pourtant il a un petit dragon doré, il paraît, c'est une légende, c'est le plus grand guerrier que l'humanité n'ait jamais connu, le Bolvar. La lumière est trop forte en lui, il paraît, non? Bah, il s'est fait, il même cette simple tâche d'essayer d'évacuer Anduin tranquillement, il va échouer. Donc un héros qui échoue beaucoup quand même, hein, malheureusement pour lui. Donc GG Bolvar. Petit message très intéressant qui vient du RPG également, c'est l'ambassadeur d'Ironforge, donc l'ambassadeur de la capitale des nains, donc Forgefer en français, qui s'appelle Bran Bronzebert, donc Bran Barbe de Bronze, le frère du roi Magni, qui a un petit message. Alors merci à Evan Essor qui bien sûr m'a beaucoup aidé pour cette vidéo, mais également a traduit ce petit discours de Bran, donc je le rappelle, ambassadeur à la cour d'Azeroth. Il est ambassadeur et il va avoir un petit résumé de ce qui se passe à la cour d'Azeroth. Comme quoi, ce n'est pas forcément moi qui me fais des films. Donc, je vais vous le lire. Le petit prince de Stormwind est un bon garçon et tout. Mais Anduin a quoi? 12 ans. S'il était nain, il ne marcherait pas à cet âge. En fait, en y repensant, je ne l'ai jamais vu en dehors du palais de toute façon. Mais assez parlé du pauvre garçon. Il a eu assez de chagrin de la part des autres. Entre guillemets, il a perdu sa mère, il a perdu son père. Anduin essaie de faire ce qui est le mieux pour son peuple. Mais ce n'est qu'un enfant. Et il ne tire manifestement pas les ficelles. Qui donc, demandez-vous? Eh bien, je vais vous le dire, et vous n'allez pas aimer la réponse. Sur le plan humain, Dame Catrana Prestor et le seigneur Bolvar Fordragon sont les principaux conseillers du roi, et ce sont eux qui décident. Bolvar est un homme bon, et un sacré bon combattant. Le problème, c'est qu'il n'est pas du genre à insulter le jugement d'une dame éduquée comme Catrana Prestor. C'est un problème, parce qu'il semble que ses conseils soient à peu près le contraire de tout ce qu'une personne logique avec un demi-cerveau pourrait trouver. Je vous la relis quand même, c'est un problème parce qu'il semble que ses conseils soient à peu près le contraire de tout ce qu'une personne logique avec un demi-cerveau pourrait trouver. Bran qui parle de Bolvar. Ne vous méprenez pas, Catrana a de bonnes qualités, elle est assez jolie pour une jeune fille humaine. Cela la qualifie pour me servir une bière mais pas pour donner des ordres à une armée de milliers de soldats. Et c'est exactement ce qui se passe. Bon. Il est évident que la fin de partie, c'est un peu sexiste, les nains hein, et leur manière de faire, mais la partie sur Bolvar est quand même incroyable, et c'est quand même un des personnages que les joueurs apprécient, hein, c'est Bran Bronzebeard qui le dit,
Donc comme quoi, mais dans les faits on le voit, dans les faits on le voit, si vous faites les missions qui vous envoient dans les Carmines et autres, enfin l'armée ne fait rien, Bolvar ne fait rien, et quand il décide finalement de faire quelque chose et peut-être d'aider, bah finalement il se ravise, ou alors il dit qu'il a pas les preuves pour ça ou pour ça, les défias, je veux des preuves. Mais va les chercher les preuves mon coco, t'es le chef, allez bouge-toi un peu. Et au final il ne fait rien. Alors évidemment on pourrait dire bah oui mais l'idée c'était justement que Katrana ait beaucoup d'assises etc. Fallait valoriser Katrana, bien sûr. Mais du coup ça fait quoi? Ça fait que Bolvar est juste un personnage fantoche. C'est un homme de paille tout simplement. À quel moment on va évidemment, on va s'attacher à un personnage qui est juste un pantin, une marionnette. Donc il semblerait quand même beaucoup que le personnage, on va en revenir après, mais enfin bien sûr en jeu, en gameplay, quand vous étiez un personnage de la Horde, vous deviez, quand vous attaquiez la capitale d'Hurlevent, donc de Stormwind, eh bien c'était le boss final aux côtés d'Anduin, etc. parce que c'était le gouvernement de régence. Mais est-ce que ça en fait un personnage incroyablement légendaire? Pas forcément. Mais on en reparlera après. Le but de cette vidéo n'est pas forcément de vous détruire votre amour pour Bolvar. C'est plus que vous rendiez compte un petit peu que le personnage, en fait, quasiment tout ce qu'il fait, il le fail, il le rate. C'est pas un problème. On peut avoir une écriture très intéressante avec ça. Mais faut pas le foutre sur un piédestal en mode c'est une légende, c'est le guerrier le plus puissant, le plus légendaire. Non, non, ça c'est pas vrai. Alors du coup, continuons. Par contre, là, c'est vrai que probablement la chose qu'il a le mieux réussi de sa vie, Bolvar, c'est le fait qu'il est le tuteur d'Anduin. En tant que régent, il est également le tuteur d'Anduin et il devient le mentor du jeune prince. Sa seule véritable, d'ailleurs, encore une fois, c'est sa seule véritable relation d'en haut à l'heure actuelle, puisque on va lui créer ensuite des petites amitiés avec des paladins, mais au final, on les a jamais vus parler. Hein. Apparemment, c'est le grand ami de Tyrion Fordring, on les a jamais vus parler ensemble avant Wars of the Lich King, donc bon, c'est quand même formidable. Ils se connaissent, mais en fait, on les a jamais vu se parler, ça me rappelle Star Wars 7 et 8 et 9. Mais du coup, par contre, le seul véritable relation qu'il y a, c'est effectivement Anduin qui considère Bolvar comme le père adoptif, puisque son père a disparu très jeune. Il ne l'a pas vu, et du coup, Bolvar a été un petit peu la figure paternelle dans la jeune vie d'Anduin. Donc, à côté de ça, par rapport à World of Warcraft Vanilla, on a un autre problème. C'est que Bolvar, justement, va faire fantasmer les joueurs, car il est l'un des boss de Stormwind. Alors, je rappelle encore une fois que Stormwind n'était pas la capitale de l'Alliance à Vanilla. C'était au contraire, pour tous les aspects, que ce soit au niveau lore, au niveau gameplay, c'était Ironforge. Ironforge était la capitale de l'Alliance. Magni étant une des figures les plus connues de l'Alliance depuis Warcraft 2. Et justement, Ironforge, c'était la capitale politique, puisque les elfes de la nuit pouvaient venir plus facilement à Ironforge qu'à Hurlevent, etc. Donc Ironforge était la capitale au niveau du gameplay, et même au niveau de l'histoire, bah en fait, il y a une régence pour la nation d'Azeroth, et si tu veux une transition entre l'alliance de Lordaeron et l'alliance justement de Stormwind de World of Warcraft, bah en fait, c'était Ironforge qui avait l'assise. Donc, encore une fois, politique et gameplay. Mais en plus, ce qui est un gros problème par rapport à World of Warcraft Vanilla, c'est qu'on avait vraiment un manque cruel de figures emblématiques humaines, en fait. Vous aviez des héros, par exemple, du côté orc, bah, vous aviez Thrall, vous aviez Nazgrel, vous aviez des personnages qu'on connaissait déjà. Vous retrouviez Rexxar, vous retrouviez des personnages, vous trouviez Vol'jin, etc. Grâce à la fondation de Durotar, on avait vu, justement, ces personnages du côté Horde. Du côté Alliance, bah, quels sont les héros du côté de l'Alliance? Bah, Jaina, bah, le problème c'est que Jaina c'est pas son alliance. Terramor est toute petite dans Wovania et on y va vite fait pour quelques quêtes et c'est tout. On crée pas de personnage et on peut pas être dans l'alliance de Jaina, on peut pas être dans la grande Terramor. Donc Terramor a été raccourci et on retrouve l'alliance, je dirais, de Warcraft 2 et avec Azeroth qui est en son sein. Tous les héros que vous voyez, toutes les statues que vous voyez à Stormwind, bah, tous ces personnages là vont être retrouvés à Burning Crusade. Ils sont absents, ils sont pas là au début de World of Warcraft Vanilla. Donc vous n'avez pas de Danat, vous n'avez pas de Turalyon, Uther est mort, Lothar est mort, le roi Lane, qui était l'une des connaissances, n'était plus là, Varian a disparu, et c'est justement une des intrigues. Donc en fait, il y a un gros manque de figures emblématiques humaines à World of Warcraft Vanilla. Et Bolvar est là, en tant que personnage fonction, pour essayer de combler le vide. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'on ne lui a pas créé d'histoire. Et donc il va y avoir un autre débat quand on l'affronte, quand les joueurs de la Horde affrontent Bolvar à World of Warcraft Vanilla. Il va y avoir un grand grand débat sur la classe de Bolvar, puisque Bolvar a des sorts du guerrier et il a également des sorts de paladin. Il faut retenir quelque chose de très important, c'est que Bolvar remplace poste pour poste Lothar en tant que régent de la couronne d'Azeroth. Et Lothar justement n'était pas un paladin, contrairement à Uther et Turalyon. Lothar était un chevalier. Ça ne diminue en rien les compétences martiales tacticiennes de Lothar.
Lothar est l'un des plus grands héros de l'Alliance, et c'était pas un paladin. Y a pas de problème à ce niveau-là. Le truc, c'est que comme Bolvar remplace pour poste Lothar, on pourrait imaginer que c'était plus un chevalier, il avait beaucoup de sorts du guerrier, mais il avait également quelques sorts de paladin. Donc, il y avait eu un grand débat pour savoir est-ce que c'est un paladin, est-ce que c'est un chevalier. BC à BC, il n'y aura absolument aucun développement sur Bolvar, parce qu'on va retrouver les grands héros de l'Alliance, Dannat, Kurdran, Khadgar, notamment sur Draenor. Donc Bolvar n'aura absolument aucun traitement. Et c'est de là, d'ailleurs, c'est pendant Burning Crusade que le comics WoW va sortir avec justement l'histoire autour de Katrana et de Varian, où on voit encore une fois Bolvar qui est dépeint comme un personnage incompétent, et que même le maréchal Windsor, qui va s'occuper de toute la, on va dire, qui va s'occuper du résultat final, ne dit lui-même qu'il ne croit pas Bolvar. Donc Bolvar à Burning Crusade n'est pas forcément traité de manière positive. Mais dans le jeu, en tout cas à Burning Crusade, on ne parle pas du tout de Bolvar. Et à côté de ça, donc arrive Wrath of the Lich King. Apparemment, Wotelka tranche, hein. Si tu veux être un héros humain, mieux vaut être un paladin. Alors ça rime, bien sûr, parce que le problème, c'est que Wotelka, on va avoir un aveu de faiblesse, je dirais, de l'écriture de Blizzard, et encore une fois, une facilité scénaristique terrible, c'est que si tu veux être un héros humain, faut être un paladin. Il n'y a plus de chevalier. Varian est le dernier chevalier, on va dire le dernier guerrier humain très connu, parce qu'après tous les autres, ça devient des paladins. Parce que si tu n'es pas un paladin, t'es qu'une sous-merde apparemment. Et c'est bien triste, plutôt que d'essayer de développer le personnage, eh bien on va dire, bah non, c'est un paladin, donc c'est le grand héros. Et on va lui donner un titre aussi, on va lui donner un titre. Puisqu'avant, il était le régent de la couronne d'Azeroth, il était le régent du royaume d'Azeroth. Bah, il perd ce royaume, la régence est terminée, Varian est redevenu le roi d'Azeroth, il n'a plus besoin de régent. Lui, il est adulte, il est pas jeune comme Anduin. Donc il a perdu son titre. Il ne peut même plus l'appeler le régent. Du coup, comment on fait? Eh bien, on va lui donner un titre qui s'appelle le Généralissime. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo sur Wrath of the Lich King, donc je vais pas revenir dessus. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de Généralissimes. Et ça, c'est un problème parce que le titre qui aurait pu être incroyable pour Bolvar, on aurait pu l'appeler le connétable ou machin, on l'appelle le généralissime. Généralissime, c'est-à-dire le chef des armées. Le problème, c'est que si tu mets des dizaines de généralissimes, encore une fois, Bolvar, tu réduis son impact. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, si tu réduis son impact encore, c'est un peu terrible. Alors apparemment, ce serait un souci de localisation, parce qu'en anglais, c'est High Lord, et le truc, c'est que du coup, il est pas, c'est pas absolument pas le connétable ou quoi que ce soit, c'est pas le chef des armées, c'est juste High Lord, donc haut seigneur. Le truc, c'est que ça a été traduit généralissime, et le problème, c'est que généralissime, ça sous-entend que c'est la légende, le grand. Et le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul, encore une fois. Commençons par donc son premier impact à Wrath of the Lich King. J'en avais parlé un petit peu dans mes vidéos sur Wotelka. C'est tout simplement qu'il va faire débarquer, donc il va gérer tout simplement les troupes de l'Alliance à l'Est, qui débarquent du coup des royaumes de l'Est, hein, donc du continent d'Azeroth, et qui vont débarquer en Northrend, en Orphandre, sur la côte Est, dans la Daggercap Bay, la fameuse où Arthas était arrivé, etc. Le truc, c'est que Arthas lui avait fait son camp tranquillement, visiblement de son côté. Le problème, c'est que lui, notre cher Bolvar, eh ben, il va débarquer en plein milieu du royaume Vricul, enfin plein milieu des bases Vricul, et plus de la moitié de la flotte va se faire détruire, et il va installer son camp au milieu de la falaise, enfin en bas de la falaise, alors que toute la falaise est contrôlée par les Vricul. Donc ils peuvent attaquer tranquillement le QG de l'Alliance qui est en train de se construire à l'est. C'est. Si vous jouez au jeu, si vous jouez, allez-y, faites les quêtes là-bas, vous verrez, c'est d'une débilité, c'est d'une idiotie tactique, mais monstrueuse. Et on se rappelle du coup de ce que Bran a dit, comme quoi même un demi-écervelé aurait des stratégies plus pertinentes. Bah ouais, là le débarquement il est pas forcément très. On va dire encore une fois, on montre pas que c'est un grand génie stratégique. Place maintenant à son grand fait d'armes, parce que malheureusement pendant tout Wrath of the Lich King, quand vous faites les quêtes, etc., on vous parle de oui, effectivement, Bolvar est le chef de l'armée de l'Alliance, mais au final le perso, bah on le voit pas. En fait, on le voit pas tout simplement jusqu'aux dernières missions, avec notamment les la bataille du portail, donc Angrathar, le portail du Kourou. C'est tout simplement là qu'on va. Alors il y a une petite mission dans une crypte où on bat une liche, mais en dehors de ça, c'est vrai que Bolvar on le voit pas trop physiquement. Et au final, eh bien, on va le voir justement, notamment au niveau de cette grande bataille. Et on va se regarder la cinématique que je n'ai pas pu montrer sur la vidéo de Wotelka. Donc, la bataille du portail du Kourou.
Solvar, par la lumière. Pour l'Ordéon, pour l'Alliance. En arrière, crétin sorcier. Fils de la Horde, sang et gloire nous attend. Lortar au gars, pour la Horde. Pour la Horde. Je me demandais si vous viendriez. Je ne pouvais pas laisser l'Alliance s'amuser sans nous. Pour toutes ces vies volées, traître. Bien parlé, mais il ne reste rien que vous puissiez. Quoi? Vous pensiez que nous avions oublié? Que nous avions pardonné? Contemplez la terrible vengeance des réprouvés. Voici venu le temps des réprouvés. Nous sommes fichus. Aucun de nous ne s'en sortira. Et voilà pour ce qui est de cette cinématique du portail du Kourou en Gratar, la fameuse cinématique où Bolvar s'illustre, bien entendu. Et rien que là, on voit déjà pas mal de choses, mine de rien. Alors, ce qui est très drôle, c'est de ne pas voir le Sorfang papa, mais l'enfant. Alors, bien sûr, c'est une vidéo sur Bolvar, mais ce qui est drôle, c'est de voir que les deux, on va dire, figures emblématique de Haut Vanilla côté Horde et côté Alliance, donc Sorcro d'un côté, Sorfang et Bolvar lead ensemble l'Alliance et enfin l'armée de la coalition, donc l'Alliance et la Horde,
Et au final, on voit que Sorfang fait son attaque, enfin, il fait l'attaque de Popo, hein, il fait pff, le grand cleave. Bolvar fait, au départ, il fait cette Laura aussi qui l'inspirait, etc. Enfin, c'est un peu les, voilà, les compétences qu'ils avaient dans Ovania. Sorfang se fait massacrer, hein, le Sorfang fils, je rappelle, se fait massacrer. Et Bolvar, bah, au final, il est fort probable qu'il se serait fait latter la tronche aussi par Arthas, mais lui, il n'aura pas eu le temps d'affronter Arthas, puisque Putres arrive et fait « je suis le grand méchant ». Et bien sûr, si vous avez vu la vidéo de Boutelka, vous comprenez que eh bien, le gentil Putres a trahi tout le monde. Et on voit un overkill complet pour le pauvre Bolvar, puisqu'il se fait massacrer par la peste. Et à la fin arrivent les aigles. Pardon, pas les aigles, on n'est pas dans le Cerzano. Hein. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le Cerzano. Hein. Porte noire, un plan, avec des espèces de créatures ailées qui arrivent sous un fond de lumière. Donc, les dragons rouges qui débarquent et qui crament tout. Il y a, alors c'est l'une des rares batailles où le nombre exact de soldats, il y a 9000, à peu près 9000 soldats de la coalition hors d'alliance qui attaquent le portail. Donc 9000 braves, alors on a vu quelques-uns s'en sortir, mais 9000 braves âmes qui sont tués sur la bataille de la porte du courroux, à tel point que Varian dira que la horde, à savoir les réprouvés, auront causé plus de pertes à l'alliance que le fléau. Fléau est vraiment un danger incroyable à Wasserjage King. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est pas drôle, Bolvar est mort, c'est triste, il se prend un overkill complet, il est mort de la peste. Parce qu'on le voit mourir hein, dans cette vidéo, la fin, l'expiration, tout ça, on le voit mourir. Hein. Et derrière, il se fait cramer ce qui reste pour pas que la peste puisse se répandre et détruire vraiment toutes les autres armées qui sont en place. Donc défaite de la coalition, tout ça, on en a parlé. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du coup Bolvar se fait overkill. Et à l'époque, il y avait quelque chose, il y avait une rumeur qui était originaire d'un bug qui disait qu'Alexstrasza, en fait c'était un bug, puisque elle parlait en draconique, personne ne pouvait le voir, sauf apparemment les voleurs, qui à l'époque, les voleurs qui ne parlaient pas le draconique, pouvait lire ce qui était dit, ou sinon il fallait une position, etc. pour pouvoir entendre le draconique. Et Alexstrasza disait à son consort, qui est également donc son mari, mais qui est également son fils, les dragons. Une incroyable histoire. Elle disait à Crassus, Corialstras, Alexstrasza lui disait donc ils ne doivent jamais découvrir le destin du jeune paladin. Pas encore. Alors, le jeune paladin, bon, pour Alexstrasza, être immortel, soit tout ça, mais il est plus tout jeune, hein, le cher Bolvar. Qui du coup maintenant est un paladin. Et au final, ce qui est assez drôle, c'est que quel destin horrible on ne doit pas découvrir. Alors, on en reparlera un petit peu après, mais déjà, il y a une série de quêtes qui invalide totalement finalement le destin qui fait que Bolvar sera sauvé par le feu des dragons, de la peste, etc. Il est encore là, blablabla. Le feu des dragons, c'est pas juste, on peut cramer les gens. Il y a d'autres actions dans la barre des tâches, elle peut également soigner. Alors, je rappelle que dans le portail du coup, il n'y a pas Alexstrasza ne fait pas partie des dragons qui crament tout le monde, hein. Elle arrive après. Et elle découvre justement ce qui vient de se passer. Mais par contre, dans une série de quêtes qui s'appelle... Enfin, c'est l'espoir fait vivre. Donc la série de quêtes de Breedenbrad, qui est un soldat humain qui s'est fait corrompre par la peste mort-vivante. Eh bien, justement, il y avait notre cher généralissime Tyrion Fordring qui essayait de trouver une solution à la peste mort-vivante. Et elle va à la cime des croisades. Enfin, du coup, elle demande à Alexstrasza directement, justement, donc pas un dragon rouge. Alexstrasza, le chef de tout, la reine dragon, le chef du vol rouge et le chef de la vie, en gros, l'aspect de la vie. Alexstrasza donc va utiliser donc un artefact, donc le souffle d'Alexstrasza, pour essayer de sauver le cher Breedenbrad. Et au final, cette série de quêtes est assez triste, puisque Breedenbrad, à la fin, meurt, mais l'espoir fait vivre. L'idée, c'est de, malgré un sort inéluctable, eh bien, il faut garder la foi. C'était un hommage à un des fans de Blizzard qui avait eu une maladie incurable, etc. Et ils avaient aimé ça comme quête. Le problème, c'est que c'est une quête de l'histoire de Warcraft, et bien, malheureusement, le cher Breedenbrad lève une main, là, tandis qu'il reprend son souffle. C'était presque aussi douloureux que ça en avait l'air, mais c'était comme si je pouvais sentir un peu de la corruption disparaître de mon corps. Cependant, on dirait que la peste n'est pas si facilement vaincue. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vos actions désintéressées ont renouvelé mon espoir qu'il y a encore beaucoup de bien dans ce monde. Je peux partir en paix. Donc, apparemment, le souffle d'Alexstrasza n'a pas pu sauver un fantassin humain de la corruption de la peste.
et n'a pas pu justement le nettoyer de la peste puisqu'il va mourir de la peste. Le truc que va réussir à faire l'Extrada, c'est tout simplement à la fin que son âme ne soit pas, ne puisse pas en fait être amenée nécromantiquement parlant, donc en gros faire en sorte que son âme puisse trouver le repos et ne soit pas comme par exemple avec Sylvanas ou autre, qu'il soit utilisé comme simple troupier du fléau. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, Bolvar va échapper à ça. Donc le simple humain, et on a toute une série de quêtes qui nous montrent que bah non, on peut pas sauver quelqu'un de la peste mort-vivante, sachant que c'est la peste mort-vivante du fléau, et pas celle qui a été améliorée dans Ovanilla par les joueurs réprouvés grâce à l'intervention notamment de Varimatras, qui est encore plus puissante et qui est utilisée pour tuer à la fois les morts et les non-morts, alors que celle du fléau est utilisée pour tuer juste les vivants. Eh bien, sur 9000 personnes présentes au portail du Kourou, un seul sera ramené évidemment par le souffle d'Alexstrasza. C'est quand même formidable, hein, c'est quand même incroyable. Alors, juste avant bien sûr le portail du Kourou, il faut parler en patch. 6 mois avant la sortie de Ice Crown Citadel, donc la couronne de glace avec justement le raid et les donjons qui vont avec, où justement on verra en fait le sort de Bolvar, en fait Bolvar, le souffle l'a sauvé, blablabla. On avait la vision de Yogg-Saron. Donc quand à Ulduar, on avait une des visions de Yogg-Saron où on voyait Arthas torturer deux personnes. On n'avait pas les noms à l'époque. Mais maintenant, je pense, puisque on voit un orc ramené en tant que chevalier de la mort et on voit Arthas faire autre chose avec une silhouette humaine, sachant qu'Alexstrasza dit qu'ils ne doivent pas connaître encore le destin du jeune paladin. Est-ce que vous vous dites pas, tiens, cet orc à côté, à gauche, qui est un chevalier de la mort, eh bien, c'était Dranosh Shorfang qu'on affrontera à ICC. Est-ce que le plan initial n'était peut-être pas, en fait, que Bolvar devait être un chevalier de la mort? Et on aurait dû, côté Horde, affronter Dranosh, côté Alliance, on aurait affronté Bolvar. Une figure, blacha, emblématique, blablabla. Anduin, il aurait fait, oh, mon tonton, et il aurait été très triste. Eh bien, non. Eh bien non, il revient à ICC, incroyable, à la demande de quelques joueurs qui avaient demandé justement quel était le destin de Bolvar, puisque le fameux destin de Bolvar qu'Alexstrasza parlait évoqué en draconique. Eh bien, cette fameuse rumeur, etc., eh bien finalement ça fera que Blizzard change ses plans. Au lieu de mettre Tyrion, enfin visiblement, parce que ça reste de la théorie, ça aurait été très probablement Tyrion, roi Lich. Finalement, eh bien, c'est Bolvar qui va se présenter, qui va être là, puisqu'on apprend que Bolvar, mort de la peste et carbonisé par les dragons, est en fait vivant. Bien sûr, le feu des dragons conserve, Nekros, tout ça, hein, Derek, Prodmore, hein, eux non, ils n'ont pas été conservés. Mais par contre, et les 9000 autres soldats non plus ne sont pas conservés, Arthas l'interroge. Mais il résiste, alors qu'Arthas a juste à le tuer et ensuite le ramener en tant que chevalier de la mort. Mais non, il le torture, mais la lumière est trop forte en lui, à l'endroit du pinacle du pouvoir du roi Lich, où Arthas avait dit que justement la prochaine fois sera pas aussi facile qu'en terrain consacré avec Tyrion. Il avait dit non, on sera dans mon domaine, on sera à l'endroit où je serai le plus fort. Eh bien la lumière est trop forte en notre cher Bolvar, il ne peut pas, quand il y avait Onyxia, la lumière était très forte en lui, il s'est fait manipuler comme une merde. Mais là, eh bien non, la lumière, cette armure en scénarium, ce bouclier de scénarium est tellement puissant qu'Arthas est trop con. Il n'arrive pas à penser au fait qu'il lui met un coup de frostmourne et c'est bon, il peut le ramener en tant que chevalier de la mort comme il a fait avec tout le monde. Non, là, eh bien, la lumière arrive à même perturber l'intelligence d'Arthas. Il ne peut pas penser à le tuer, c'est incroyable, c'est terrible. Quel destin, quel Bolvar, un sacré destin. Et au final, je le rappelle bien sûr, j'en avais parlé dans la vidéo sur Wrath of the Lich King, c'est une déclaration officielle de Blizzard où ils disent justement, donc une interview de Chris Metzen qui dit justement, eh bien que le roi Lich, on peut pas dire que Bolvar était un des personnages principaux, il fait partie des personnages humains que nous voulions mettre en avant, mais il n'a pas beaucoup fait parler de lui. Cependant, nous lui avons réservé une fin si dramatique au portail du Kourou que les forums ont été soudain pris d'assaut. Bolvar, spéculation et débat sur l'histoire de ce personnage, ce qu'il allait devenir allait bon train. Ce n'était qu'un rouage du scénario que nous avions mis au point, mais ce personnage avait déchaîné de telles passions que nous en avons fait le roi Lich. Ce n'est pas vraiment ce qui était prévu lorsque nous avons écrit le scénario de la cinématique du portail du Kourou, non plus ce qui était prévu une fois la cinématique produite. Mais ça aurait été l'un de ces moments où la communauté de World of Warcraft est tellement enflammée, blablabla, que nous laissons porter par son enthousiasme. Nous avons décidé de les suivre tête baissée, même si ce n'était pas du tout ce que nous avions prévu. Donc Bolvar aurait très probablement fini en tant que juste boss d'ICC. C'est avec tous ces éléments là, on peut être quasiment certain que c'était le but premier.
Bolvar devient le roi Lich. Il faut toujours un roi Lich. Et on va pouvoir regarder l'autre vidéo, celle de la fin de Wrath of the Lich King. Et on va pouvoir attaquer justement, on va en détail un peu plus, la fin de Wrath of the Lich King. Père, est-ce terminé ? Oui, enfin. Aucun règne n'est éternel, mon fils. Je ne vois que les ténèbres qui m'entourent. Maintenant que le roi Lich est mort, le fléau déchaîné va devenir une menace encore plus grande pour ce monde. Il faut le garder sous contrôle. Le monde a besoin d'un roi Lich. Le poids d'un tel fardeau, c'est à moi de le porter, car nul autre ne... C'est une grande destinée que tu tiens là, mon frère. Mais je n'ai pas pour toi. Bolvar. Par tout ce qui est sacré, la flamme du dragon a scellé mon destin. Le monde des vivants ne pourra plus jamais apaiser ma souffrance. Place cette couronne sur ma tête, Tyrion. Et pour toujours, je serai le geôlier des morts. Non, vieil ami. Je ne peux pas. Fais-le, Tyrion. Toi et ces courageux héros avaient été destinés à accomplir ce dernier sacrifice. M'appartient. Tu ne seras pas oublié, mon frère. Je dois être oublié, Tyrion. Pour que le monde soit libéré de la tyrannie de la peur, nul ne doit savoir ce qui s'est passé ici. Le roi est mort, vive le roi! C'est beau, le règne, c'est fait vraiment, hein, parce que plus je la vois cette cinématique et plus je me dis, mais en fait, c'est tout simplement le sacre de Napoléon, mais version roi Lich. On lui met le paladin, justement, Tyrion Fordring, qui pose la couronne sur le roi. C'est beau, ce sacre de Bolvar, il est magnifique, puisqu'il faut toujours un roi Lich. Et oui, alors on notera aussi que Bolvar adore gueuler. Hein, entre le « Philippe, je sais où tu te caches, sors de là que je te bute, enfoiré !» et Arthas qui dit « Salaud !» C'est entre celui-là et le « Tyrion, ce n'est pas ton destin !» Ah bon ? Ah bon, pourtant dans Hotel K, c'était plutôt son destin, tout son truc, tout son arc et tout. « Tyrion, pose cette couronne sur ma tête, enfoiré !» Et Tyrion l'a pas dit salaud pour le coup. Mais donc c'est assez intéressant. Comme il faut toujours un roi Lich, évidemment, ce principe que le roi Terenas maintenant, qui est éclairé,
il a atteint un autre plan de conscience, il est devenu un ancien, il connaît tout, il a tout le savoir, il sait exactement comment le casque fonctionne, comment tout fonctionne, tout marche, c'est incroyable le roi Terenas. Eh bien, et on a vu, on n'a pas pu le voir, mais Uther en fond, hein, en fantôme, hein, qui libère bien sûr Bolvar qui était suspendu en X, bien sûr. Eh bien, c'est Uther qui était serrurier dans sa jeunesse, hein, comme Louis XVI. Et il a ouvert, et Bolvar a pu s'asseoir sur le trône. C'est beau, c'est magnifique, c'est très bien écrit. Et du coup, comme il faut toujours un roi liche, que nous dit Terenas, hein, il faut toujours un roi liche, sinon le fléau se déchaînerait et détruirait le monde. On va revenir un petit peu là-dessus. Concernant le destin du fameux Bolvar, bien sûr. Puisque, on en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur War of the King, mais je voulais justement se servir de cette vidéo pour approfondir et aussi ramener quelque chose de constructif aussi dans ce point, on va dire, de questionnement. Tout simplement, déjà, la fin de War of the King, donc, avec encore une fois l'écho à Warcraft 3, hein, quand on voit l'image, machin. La fin de Wotelka, donc le monde a besoin d'un roi liche. Fin du fléau. Alors la fin de Warcraft 3, si vous jouez à Frozen Throne ou à War 3 Reforged, à la fin, vous avez donc le prélude avant la dernière mission où vous avez justement Ner'zhul qui redonne une vision qui parle directement depuis Frostmourne à Arthas et lui dit hâte-toi chevalier de la mort, hâte-toi mon champion, hâte-toi Arthas, car si Illidan arrive avant toi au niveau de la forteresse de la couronne de glace, eh bien il détruira le trône de glace, et s'il détruit le trône de glace, le fléau, eh bien, sera détruit. Ça, c'est Ner'zhul. On pourrait se dire, je vous vois venir, on pourrait se dire, oui, mais c'est Ner'zhul, il veut pas être détruit, c'est pour ça qu'il invoque ça. En fait, Terenas savait mieux que Ner'zhul comment fonctionnait le casque, bien entendu. Mais le truc, c'est que c'est pas fini. Pourquoi Illidan est envoyé détruire le trône de glace? C'est Kil'jaeden qui a vu la trahison de Ner'zhul dans Reign of Chaos, donc dans la première partie de Warcraft 3, où justement Ner'zhul contribue à la défaite de la Légion Ardente et il trahit Kil'jaeden. La création de Kil'jaeden le trahit justement parce que eh bien, il va faire tuer Tichondrius par Illidan, et Illidan, en absorbant le crâne de Gul'dan et en détruisant Tichondrius, eh bien, il déjoue une partie des plans de la Légion Ardente, ce qui fait que sans Tichondrius, Archimonde aura plus de mal à atteindre l'arbre monde et il se fera piéger, blablabla. Donc en gros, Kil'jaeden dit que c'est à cause du roi Lich, au final, si la coalition sur le mont Ijal a battu la Légion Ardente. C'est pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que Kil'jaeden dit, Illidan, tu m'as trahi, enfin, tu nous as mis des bâtons dans les roues, si tu veux pas que je te détruise, détruis ma création qui m'a trahi. C'est pour ça qu'il utilise l'œil de Sargeras, blablabla, vidéo sur Frozen Throne. Et à la fin, donc, Illidan dit qu'il va détruire le roi Lich, et en détruisant le roi Lich, il va pouvoir justement détruire le fléau. C'est les derniers jours que il le dit lui-même dans la mission, c'est les derniers jours que vive le fléau, bientôt on sera débarrassé du fléau. Donc Illidan dit ça. Illidan qui est envoyé par le mec qui a créé le roi Lich, donc il sait un petit peu comment fonctionne le casque. Quand vous avez l'entité, donc le roi Lich, quand vous avez le mec qui vient le buter et que qui est envoyé par le créateur du roi Lich, je pense que eux sont un peu mieux à même de nous dire comment fonctionne le casque que Terenas, qui a juste eu qui a en connaissance du fléau, s'est juste fait empaler par Frostmourne. Situation délicate, hein, je vous le mens pas. Je vais pas vous mentir, mais j'aurais plus tendance à croire le créateur du roi Lich et le roi Lich lui-même quand il nous dit que s'il est détruit, le fléau, c'est fini. Donc ça, c'est bien sûr un énorme retcon de Warcraft 3. En dehors de ça, donc le fléau serait libéré, il serait déchaîné sans l'emprise du roi Lich. Ça rappelle énormément du Starcraft avec les Zergs. Sans Overmind, les Zergs retournent à l'état sauvage et se déchaînent. Le problème, c'est que quitte à vouloir pomper allègrement dans le lore de Starcraft, essayons de respecter les codes que Starcraft a mis. Puisque dans Starcraft, quand tu tues l'Overmind, oui c'est vrai, les Zergs se déchaînent. Mais en fait, c'est mieux. Parce que l'Overmind, quand il contrôle les Zergs, il peut leur donner tous les ordres. Et il a une machine de guerre monstrueuse. Tuer l'Overmind, couper la tête, ça fait en sorte que les Zergs se déchaînent même entre eux. Alors oui, ils sont imprévisibles, on ne sait pas où ils vont aller, etc. Mais c'est plus une machine de mort qui est contrôlée par l'esprit de la ruche, en gros. C'est, ils vont faire n'importe quoi, ils vont parfois s'entretuer, mais oui, bien sûr, ils peuvent créer... En fait, ça devient juste une espèce de dessin sauvage de sauterelle qui va détruire les cultures, etc. C'est un peu ça l'idée. Mais ils vont pas massacrer toute la galaxie, alors que l'Overmind, lui, est capable de détruire justement tout ça. Donc, en gros, si le fléau se déchaîne, ça fait quoi? Alors déjà, hein, pourquoi le fléau se déchaîne?
Je veux dire, on nous l'a dit, ok, mais même, regardez, quand justement le roi Lich a perdu une partie de ses pouvoirs, qu'est-ce que ça a créé? Les morts-vivants qui se sont libérés du contrôle du roi Lich, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et ben dans Warcraft 3 Frozen Throne, ça a fait les réprouver Sylvanas, et dans Wotelka, qui a aussi repris un peu ce code-là, on a les chevaliers de la lame d'ébène. Donc des chevaliers de la mort qui se sont libérés sous le contrôle. Est-ce qu'ils se sont déchaînés contre le monde, ces mecs-là? Ah, pas encore, hein, donc... Pourquoi? Enfin, Sylvanas un peu, vous allez me dire, mais en dehors de ça, il y a des réprouvés qui sont restés loyaux, enfin, qui sont restés justement fidèles à l'ordre, tout ça. Genre, à quel moment ils se sont déchaînés contre le monde? Donc les seuls cas qu'on a de mecs qui se sont libérés du contrôle du roi Lich, ils ont récupéré leur libre esprit, leur libre arbitre. À quel moment, si le roi Lich meurt, en plus, on aurait pu avoir un autre aspect, un nécromancien. Quand il est mort, généralement, son lien avec les morts vivants disparaissent, du coup peut-être que justement ça aurait tué tout le monde, ça aurait pu être un enjeu. Eh bien non, non plus. Et est-ce que la coalition était dans le mal contre le roi Lich? Est-ce que la coalition a eu du mal contre le roi Lich? C'est une victoire militaire de la coalition Horde plus Alliance contre le roi Lich. C'est pas, on ne va pas dans les égouts façon Temple Noir dans Burning Crusade pour essayer d'attaquer dans le dos le chef. Non. Là, on arrive frontalement, on fait le siège de la couronne de glace, on a poutré le fléau à tel point que il y a eu un assaut de l'est et de l'ouest, et on se rapproche petit à petit du centre, et dans notre progression, bien sûr, il y a eu des déconvenues en Gratar, mais au final, même Varian dit qu'on a eu limite plus de pertes par la Horde que par le fléau pour l'Alliance. Genre, apparemment, la guerre se passe plutôt bien, on n'est pas comme à BFA avec Nuzzat, où c'est vraiment, il faut rush, parce que sinon, ce sera tout sera fini, on va être anéanti. Pas du tout, donc, le fléau, sans roi Lich, en quoi il sera plus fort? Et là, on nous sort, juste après, on nous sort finalement, en fait, eh bien, alors je ne rigole pas, hein, c'est un question-réponse où justement, ils avaient demandé aux deux patrons du lore, donc j'ai oublié le nom d'un des deuxièmes, et de Chris Metzen, qui eux-mêmes avaient répondu à ce mec-là, puisqu'il avait dit, mais alors qu'est-ce qui a retenu le bras d'Arthas? Apparemment, Arthas et Ner'zhul auraient libéré, enfin, n'ont pas déchaîné les pleines puissances du... Pourquoi n'ont-ils pas déchaîné les pleines puissances du fléau quand ils en avaient le contrôle? Et les deux têtes pensantes du lore de l'époque, donc de Wrath of the Lich King, ont répondu... Effectivement, Arthas et Ner'zhul avant lui n'ont pas déchaîné la toute-puissance du fléau. On laisse aux auditeurs le soin de réfléchir à la raison, à réfléchir au pourquoi. En gros, c'est « on sait pas, démerdez-vous ». C'est quand même extraordinaire, ça. C'est quand même incroyable, ce genre de réponse. Et je ne plaisante pas, hein, c'est une vraie réponse des développeurs à cette question. Mais c'est même pas terminé, parce que en dehors de ça, on a quand même le principe, le simple fait que le roi Lich ait été créé il y a à peine 20 ans, je rappelle. Hein, c'est Kil'jaeden qui a créé le roi Lich. Le simple fait qu'il y ait été créé il y a 20 ans, ça veut dire qu'il y a 20 ans, il y avait déjà des morts-vivants avant. Hein, les morts-vivants, c'est pas tous, ils sont pas tous contrôlés par le roi Lich. Il y a des morts-vivants, notamment bah, Medivh va utiliser, va ramener des morts-vivants, etc. Les morts-vivants existaient. Avant Warcraft 1, il y avait des nécrolites. Hein, le Conseil des Ombres de Gul'dan, ils avaient des pouvoirs nécromantiques et ramenaient des morts-vivants. Hein, donc, il y avait d'autres morts-vivants. C'est pas le roi Lich qui a créé les morts-vivants. Le roi Lich a créé l'armée mort-vivante la plus puissante qui ait jamais existé, certes. Mais avant le roi Lich, il n'y avait pas de problème. Enfin, le roi Lich n'est pas une entité millénaire qui était là et qui serait, par exemple, le geôlier dans Shadowlands, qui est là dans le cycle mort-vivie, etc. Non. Avant le roi Lich, il n'y avait pas de souci. Pourquoi après le roi Lich? Enfin non, tu détruis le roi Lich, tu détruis les liens nécromantiques. C'est pas une entité millénaire. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc j'en ai déjà parlé, le fait que voilà, on respecte même pas le lore de... Quitte à copier-coller, quitte à pomper le lore de Starcraft, on récupère même pas. Et même si jamais le fléau se déchaîne, on va accepter. Si jamais le fléau se déchaîne, ça voudrait dire, comme les airs, qu'il n'y a aucune coordination militaire. Donc, ça veut dire qu'au sein même des troupes du fléau qui se déchaîneraient, ça veut dire qu'il y aurait du team kill, ça veut dire qu'ils s'entretueraient. Et ça veut dire que sans coordination militaire, pas d'utilisation pas d'utilisation des nécropoles, donc pas d'attaque coordonnée contre les capitales, etc. Donc, on les laisse en Northrend, ils se démerdent, ils se font leur truc, et c'est tout. Ils vont attaquer tous les trucs qui vivent à côté d'eux. Mais sans plus. À quel moment ça représente une menace, en fait? Absolument aucune. Et ça veut dire aussi, quand même, que Arthas et Ner'zhul n'ont aucune crédibilité. Le fléau sans roi Lich serait plus dangereux qu'avec un roi Lich. Ça veut dire qu'en fait, Arthas, il pue la merde, et Ner'zhul aussi. Et les gens applaudissent ça. C'est quand même incroyable. C'est quand même formidable. Donc ce ta gueule, c'est magique, est quand même terrible. Donc... Maintenant, bien sûr, j'avais déjà commencé à voir ce genre de propos sur la vidéo sur Wrath of the Lich King.
je l'ai un peu plus, j'ai montré encore plus les raisons comme quoi cette histoire de il faut toujours un roi liche, c'est des conneries. Maintenant, alors vous allez me dire, je vais aborder la chose de manière un peu plus constructive. Qu'est-ce qu'auraient pu faire les développeurs pour essayer d'enlever le plus d'incohérences possible? Alors il y en a d'autres, hein, qui sont, mais celles liées au roi liche, en fait, il y a des idées qui sont intéressantes. L'idée que, par exemple, Arthas aurait retenu son bras pour déchaîner le pouvoir du fléau, etc. Le fait qu'en fait, il veuille une armée de morts-vivants pour contrer la menace des dieux très anciens, c'était déjà des thématiques qui étaient évoquées avec Ner'zhul dans Warcraft 3. Le fait qu'il veuille que Ner'zhul, au final, se fait une armée de morts-vivants pour contrer la Légion Ardente dans Reign of Chaos, et que dans Frozen Throne, on découvre l'histoire, les sans-visages, les grands anciens, etc., et qu'il veuille, du coup, peut-être aussi s'opposer à eux. Enfin, il y avait des thématiques très intéressantes. Mais le problème, c'est qu'on crée une thématique intéressante et on la détruit avec du connerie et du mauvais fanservice à tire-larigot. Un truc tout simple. Pas besoin de tout réécrire, etc. Je suis pas en train de dire oui, machin, je suis meilleur qu'eux, machin. Juste un truc tout con, qui aurait respecté Warcraft 3, qui aurait respecté les personnages que sont Arthas et Ner'zhul, parce que je rappelle quand même que Ner'zhul, il avait un peu tout prévu dans Warcraft 3. Alors ça en fait peut-être même un méchant un peu trop puissant, mais il avait quasiment tout prévu dans Warcraft 3. On voit quoi? Et Wovania le dit d'ailleurs. Ner'zhul, en fusionnant avec Arthas, a accompli ce qu'il avait prévu depuis le début, et son plan depuis le début. Le manuel de Wovania le dit. Ner'zhul a accompli ce qu'il avait prévu de faire, à savoir utiliser Arthas comme avatar, comme hôte en fait à son pouvoir. Finalement, War Savage King balaye Ner'zhul, il sera, comme si vous avez vu ma vidéo sur Hotel K, vous savez que Ner'zhul n'est même pas mentionné dans l'extension. Qu'est-ce qu'il fallait faire? En fait, comme les gens ne connaissent pas forcément Ner'zhul à part quelques-uns, et la plupart de ceux qui connaissent Ner'zhul, ils sont coincés sur Draenor, ce qui aurait été intéressant, c'est de faire en sorte que tout le monde croit que c'est Arthas la menace, et en fait, au fur et à mesure de l'extension, on se rend compte qu'en fait, parce que oui, c'est le visage, c'est Arthas, donc on pourrait dire, bah ouais, en fait, c'est Arthas, et en fait, non, ça ne serait pas Arthas. En fait, la menace aurait été Ner'zhul depuis le début, et Arthas, qui est, on va dire, pied et poing liés, justement, dans le casque, essaye malgré tout, il ne peut pas résister à son maître, mais il essaye malgré tout, ses dernières bribes d'humanité essayent de ralentir la main de Ner'zhul, ce qui fait que ça aurait justifié toutes les incohérences quasiment liées au roi Lich. Comme ça, tu balayes le Matthias Lehner, au lieu d'un Matthias Lehner, un truc à la con machin, tu mets justement que c'est Arthas lui-même en fait, qui essaye de résister à Ner'zhul. Et du coup, Ner'zhul, il voudrait justement le plan, tout ça, tous les morts vivants, etc. Il voudrait tous les buter pour en faire une armée contre les démons et contre les dieux très anciens. Et en fait, Arthas fait son arc de rédemption en plus, en mode, il fait laguer, on va dire, il fait, dans le principe encore une fois, de la boxe, de la fléau-box, il fait laguer un petit peu, il crée de la latence dans le bras de Ner'zhul. Si vous avez déjà joué à un STR, quand vous avez des petites latences, bah des fois il y a des attaques où vous dites c'est bon, c'est le bon moment, la petite latence fait « Ah putain, j'ai pas pu replier mes troupes à temps, j'ai pas pu me coordonner », et en fait, ça tourne au cauchemar. Et du coup, tous ces trucs-là, par exemple le fait qu'au lieu de s'occuper de la menace du roi Lich, Isaï a Ulduar s'occuper d'Yogg-Saron parce qu'ils mettent en pause le conflit contre le roi, en fait, même ça, même des trucs complètement débiles comme ça, auraient pu être expliqués. Puisqu'en fait, t'as Arthas qui est en mode « Non, Ner'zhul, non, non, non !» Et il retarde à chaque fois le geste de Ner'zhul. Et à ce moment-là, boum, t'as une explication logique à ce qui se passe. C'était beaucoup plus logique. Et à ce moment-là, à la fin, justement, on voit Arthas, on libère Arthas, et Arthas dit qu'en fait, Ner'zhul est une menace, est une entité ultra puissante et une entité justement immortelle qui ne doit pas être gardée sous contrôle. Et il deviendrait un petit peu, en quelque sorte, le geôlier de Ner'zhul. Il reviendrait sur le trône, il remettrait le casque, mais cette fois, il essaierait justement de contrôler. On a vaincu Ner'zhul temporairement et du coup il serait le geôlier de Ner'zhul. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'en faire quelque chose comme ça. Et c'était pas compliqué. Au lieu de faire leur triumvirat à la con, là, le Matthias Lehner, Arthas, machin, il tue son cœur, tout ça, tu dis juste qu'en fait, Arthas ralentit Ner'zhul. Et à la fin, tu libères Arthas de l'emprise, tu te rends compte de l'arc de rédemption, tout ça, tout ça. Il y avait tellement mieux à faire. Et les fans qui adorent Arthas auraient encore plus adoré Arthas avec ça. On respecte Ner'zhul, on respecte le lore de War 2, on respecte le lore de War 3, enfin. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Alors que là, bah, on a balayé deux figures emblématiques de l'histoire de Warcraft de manière complètement débile. Pour suivre, par rapport justement avec Shadowlands, l'arrivée où on a vu justement le roi Lich, allez voir mes deux vidéos d'ailleurs sur Shadowlands, où on parle de la cinématique notamment avec Sylvanas qui défie le roi Lich Bolvar et qui le fracasse. Il y a eu sur Twitter
Chris Metzen s'est prononcé concernant la victoire de Sylvanas contre le roi Lich. Et justement, donc, est-ce que si Arthas avait été le roi Lich, est-ce que vous pensez, monsieur Metzen, que Sylvanas aurait pu le battre? Je veux dire, Bolvar n'avait pas Frostmourne. Quelles sont vos pensées? J'ai moi-même des doutes à cet égard. Et Chris Metzen dit c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que Arthas était bien plus fort, bien plus puissant que Bolvar. Mais après, Sylvanas dernièrement s'est renforcée, donc elle est devenue plus chaude ces derniers temps, donc difficile à dire qui aurait pu le gagner. En gros, le scénariste décide. Mais ce qui est très drôle, c'est de dire que Arthas est bien plus puissant que Bolvar. Et des gens ont crié à l'incohérence, le fait que Bolvar se fasse défoncer par Sylvanas. C'est pas une incohérence. Alors Chris Metzen déjà le dit sur Twitter, mais même sans devoir avoir Twitter pour comprendre l'histoire de Warcraft, vous avez tout simplement plein de choses qui étaient dites. Si vous vous intéressez un petit peu justement au fléau et autres, vous auriez su que oui, Bolvar était faible en tant que roi Lich. Alors l'histoire de il a pas Frostmourne, oui, bah, enfin Frostmourne c'est pas non plus Frostmourne qui fait que t'es trop fort. Hein. Frostmourne ça aide bien sûr, mais c'est pas que ça. En l'occurrence donc. Dès que il a mis le casque de roi Lich, et Chronicles va dans ce sens, on a fait une vidéo sur l'avenir d'Arthas et l'avenir du fléau. Je vous laisse aussi aller la voir, on en parle un petit peu plus sur le fait que Bolvar n'a pas le plein contrôle. On en parle plus en détail en tout cas. On en parle et il a perdu en gros une partie du contrôle sur ses morts-vivants. Par exemple, les Valkyres vont se dégager de l'emprise du roi Lich pour rejoindre Sylvanas. Donc c'est-à-dire que Bolvar a perdu le contrôle sur les Valkyres. Et on sait qu'il a perdu le contrôle également sur Kel'Thuzad et le culte des damnés, qui sont donc le fléau mort-vivant dans les à l'Ordéron. Donc il a perdu le contrôle de ces deux factions. Et Kel'Thuzad ne reconnaît pas Bolvar comme le roi Lich. Il ne reconnaît pas son autorité. Donc rien que là, ça veut dire que rien qu'en pouvoir nécromantique, déjà, il se prend des balayettes. Hein. Donc encore une fois, Bolvar, bah, il perd tout le temps, en fait. Même en tant que roi Lich, où quand même il devient puissant. Même comme ça, il est le plus faible des trois rois Lich. C'est quand même triste à ce niveau-là. Mais encore une fois, ça vient dans l'arc de Bolvar qui se déchaîne un petit peu contre lui. C'est-à-dire qu'il perd tout le temps. Et dans la vidéo de Shadowlands, encore une fois, eh bien il perd. Le pauvre petit Bolvar. Alors il est animé de plein de bonnes intentions. Hein. Il veut bien faire. Le problème, c'est qu'il fait mal. Hein. Mais c'est justement. Et c'est. Encore une fois, je veux pas, avec cette vidéo, vous dire qu'il faut pas aimer Bolvar. Bolvar est une merde, blablabla. Ce que j'essaye de vous dire, c'est juste que Bolvar, quasiment dans tout ce qu'il fait, il échoue. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer ce personnage. Bien au contraire, en fait. Et j'espère que Blizzard travaillera son histoire, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas grand-chose sur Bolvar. Son histoire est très faible, il n'y a que dalle. Mais justement, un petit peu à l'image de Sorfang avec BFA, faire de Shadowlands, par exemple, une extension qui irait beaucoup plus dans le sens où on développe un petit peu l'histoire de Bolvar, en mode, bah, justement, comment Bolvar... Quelle était sa vie, parce que Mara Fordragon était sa sœur, sa femme, on va en reparler juste après, mais sa fille aussi, Talia, etc. On va avoir des infos, en fait, plus d'infos sur le personnage. Et peut-être que justement, le faire passer pour un perdant depuis le début, et qu'enfin il puisse tourner la page et enfin trouver de la grandeur, ce serait intéressant. Ça. Il y a vraiment des lignes narratives, il y a un arc scénaristique à faire. Mais arrêtez de le mettre sur un piédestal en mode c'est une légende, le plus grand des guerriers, etc. Le mec, sa vie est un échec. Sa vie est un échec. Et c'est ça qui rend intéressant le Bolvar. Pas justement le fait que oui, c'est le plus grand des paladins, alors qu'à un moment, ça me demandait même si c'était un paladin, et oui, il était le machin. Non, 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 il a toujours fail, et c'est ça qui le rend intéressant. À côté de ça, concernant le fléau avec Shadowlands, on sait déjà, ça a été dit à la dernière BlizzCon, on sait que le pré-événement, donc suite à la destruction du home de domination, donc suite à la destruction de la couronne, on sait justement que le fléau va se déchaîner parce qu'on respecte l'extension préférée des joueurs, so the Lich King. Le fléau va se déchaîner. L'important, c'est de savoir comment le fléau va se déchaîner. Est-ce que le fléau va se déchaîner donc et va pouvoir coordonner un assaut parce qu'en fait, Kel'Thuzad, par exemple, reprendrait le contrôle, ce qui serait tout à fait logique. Le fléau ne peut pas avoir une coordination militaire sans roi Lich. Déjà, le fait qu'il se déchaîne, on l'a vu que c'était une connerie, mais à la limite, s'ils veulent essayer d'être pertinents et cohérents dans leur propre incohérence, faut que le fléau soit... Il faudrait peut-être, par exemple, faire ce pré-événement en Northrend, où justement, bah, le fléau, bah, il se déchaîne, mais sur le Northrend. Le problème, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhension, je pense, qu'on va refaire une Axramas 3.0 avec en fait les nécropoles qui vont arriver à chaque capitale et le fléau qui va se déchaîner dans les capitales. Le problème, c'est que si le fléau se déchaîne et qu'il n'a pas de leader, il est incapable d'agir comme ça en fait.
Il peut pas utiliser les nécropoles, il peut pas utiliser la magie, c'est pas possible en fait. Donc il peut pas avancer ils avancent comme des débilos en fait. Donc ils peuvent pas se déchaîner sur les capitales en coordination, en attaque groupée. Donc peut-être justement utiliser Kaltuzad comme celui qui essaierait de reprendre le contrôle du fléau le temps que le roi Lich revienne. Et Kaltuzad pourrait avoir un rôle à jouer par exemple dans Shadowlands en mode il essaierait de ramener Ner'zhul ou Arthas ou les deux pour contrôler le fléau, etc. Ça pourrait être un arc intéressant. Donc comment le fléau va se déchaîner? J'espère qu'il n'y aura pas de quête de coordination militaire du fléau qui attaque les capitales sans Kaltuzad, parce qu'à ce moment-là, ça sera totalement incohérent. J'espère qu'il y aura des explications si c'est le cas, parce que sinon, j'ai très très peur, parce qu'ils ont l'air de respecter le lore de Wotelka, et ça, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Il aurait peut-être fallu justement revenir sans trop gommer Wotelka, essayer de réexpliquer Wotelka en réutilisant les anciennes données, je dirais. Donc Bolvar, qu'en est-il à Shadowlands? On sait que Bolvar à Shadowlands aura un rôle important, il sera l'un des guides dans la campagne contre le geôlier, donc contre l'antre et contre Sylvanas. Donc il va avoir un rôle très important et c'est celui qui va nous aider justement, donc un des guides des Shadowlands, donc des Terres d'Ombre. Le truc, alors j'ai une mini théorie, je n'y crois pas, honnêtement je ne crois pas à ma propre théorie, mais j'ai une petite théorie, ce serait, rappelez-vous donc la vidéo qu'on avait faite avec Eva sur Arthas et le futur du fléau, à Légion, Arthas nous met en garde contre Bolvar. Il nous dit, vous pensez le connaître, vous pensez, en tout cas Arthas en tant que roi Lich dit, attention, vous pensez que le roi Lich actuel, vous pensez le connaître, vous vous trompez, et c'est une menace, méfiez-vous de lui. Alors, il y a bien aussi le fait que la lame d'ébène, visiblement, commence à être corrompue par le roi Lich qui devait être indépendante, finalement, et retombe sous l'autorité du roi Lich, mais je repense à ça, et je me dis, est-ce que, justement, Bolvar, avec sa défaite, on a énormément d'empathie à la fin de la vidéo, puisqu'on le voit mourir, enfin on le voit chuter, on le voit perdre. Il y a de fortes chances qu'à Shadowlands, on ait du coup 20 minutes de CGI façon Sorfang et tout le monde dira « Bah oui, Bolvar, c'était mon héros préféré. » Mais je pense qu'il y a peut-être un truc qui fait que soit on va avoir le truc classique, c'est en fait Bolvar sera le héros, il va nous aider, en fait, va battre Sylvanas, tout ça. Mais ils ont toujours dit que Sylvanas ne sera pas la méchante, bête et méchante Garrosh. Donc j'aurais tendance à imaginer peut-être le fait que justement on croit que Sylvanas est la méchante et que Bolvar en fait nous manipule tous dans l'ombre et nous demande de l'aide parce qu'il est pas non plus incroyable. Il nous demande de l'aide, il va nous raconter son histoire, on va avoir beaucoup d'empathie, on va avoir beaucoup de choses autour de lui et qu'en fait à la fin, je sais pas exactement comment, est-ce qu'il va s'allier au geôlier, est-ce qu'il va pour récupérer son pouvoir et devenir peut-être une entité encore plus puissante. Je n'y crois pas, mais honnêtement, ça pourrait être intéressant. Mais je ne crois pas moi-même à ma théorie. Mais voilà, en travaillant sur cette vidéo, j'ai repensé à ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec Eva, on en a reparlé, on était tous les deux d'accord, on y avait tous les deux pensé. Avec la menace qu'Arthas nous a dit, la menace, le roi Lich représenté par Bolvar, etc. Est-ce qu'ils réutiliseront ça à Shadowlands? Peut-être pas, peut-être oui, je sais pas. En tout cas, dernier point, parce que je vous avais dit, vous allez peut-être me dire, mais tu as dit qu'il n'y avait pas de famille, c'est pas vrai, on a Talia. Talia Fort Dragon est une création de Battle for Azeroth. Et à Battle for Azeroth, on a enfin commencé à essayer. Donc je ferai une vidéo sur ça, parce que c'est une théorie qu'on partage aussi avec Eva, concernant... On partage beaucoup trop de choses, c'est terrible. Mais... non mais on a eu pas mal de discussions, et c'est vrai que on est d'accord sur le fait que Talia Fort Dragon... c'est une bonne chose, c'est un ajout pour essayer d'avoir de l'empathie, de rajouter de la profondeur à Bolvar. En fait, la création de Talia sous-entendait que oui, Bolvar aura un rôle à jouer dans le futur. Et regardez, il a une fille. Oh bah, plaignez ce pauvre garçon, il a une fille. Hein ? Incroyable ! C'est un outil scénaristique très facile pour créer de l'empathie. Le machin, il est pas tout seul, il a une fille, il a une famille, pensez à lui, quoi. C'est facile, mais après, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être encore plus de profondeur à faire avec Talia qui découvrait le destin de son père, blablabla, blablabla. Ça pourrait être assez intéressant et on a une petite théorie, on en fera une autre vidéo où on parlera de ça. Donc, pour résumer cette vidéo, Bolvar est un incompétent, il a eu une vie de raté, quasiment tout ce qu'il a entrepris, il l'a raté, et ce n'est pas un problème, c'est absolument pas un problème. Si juste descendez ce personnage de votre piédestal, c'est une vie malheureusement de raté qu'a Bolvar. Et c'est tout l'intérêt du personnage. C'est ça qu'il va falloir peut-être mettre en avant à Shadowlands et qu'il va falloir accentuer. C'est le fait que toute sa vie a été un échec. Et c'est ça qui le rend intéressant. Si vous aimez Bolvar, n'aimez pas Bolvar pour le côté légendaire, blablabla. C'est parce que c'est des conneries en fait. C'est tout simplement des conneries. Donc ça veut dire que vous créez votre propre idée du personnage. Vous pouvez aimer Bolvar.
Et vous devez être conscient que le perso, c'est quasiment une page blanche. On n'a rien sur lui. Et ça se voit d'ailleurs au niveau des artworks. Hein. Si vous allez vous taper artwork Bolvar, c'est quasiment que sous sa forme de Roi Lich. C'est à partir du Roi Lich où il a commencé à avoir des artworks et qu'on a commencé à se dire « Ah ouais, il était incroyable !» Mais avant, c'était compliqué. Et Bolvar, vous pouvez l'apprécier, mais soyez conscient que ce personnage a beaucoup de faiblesses. Et c'est ça qui le rend intéressant et riche, on va dire, à développer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura, on va dire, un peu plus expliqué aussi Wotelka, vous aura débunké des idées reçues concernant Bolvar et vous aura peut-être fait apprécier, on va dire, certaines choses, notamment la création de Talia et peut-être un futur concernant Bolvar et Shadowlands. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à partager autour de vous. Pour tous ceux qui disent que Bolvar c'est un grand héros, que Wotelka c'est la meilleure extension. Enfin, tout ça en gros quoi. Voilà, plein de bisous, à bientôt.